D'accord. Si on est certain que tous les ans une ville a une submersion marine, on n'a pas le droit de l'assurer. D'accord. Ce n'est pas assurable. Voilà. Le principe même de l'assurance, c'est un aléa. À partir du moment où un événement survient tous les ans, d'accord, ce n'est pas assurable. D'accord. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure de. Donc c'est vraiment la fréquence et l'intensité. D'accord. L'intensité, c'est le montant des dommages, mais la fréquence, ça va être un élément assez clé. L'Acqua Alta de Venise, c'est pas assurable. Le casino de Biarritz, il est plus assurable depuis des années. D'accord? Parce que tous les ans, son rez-de-chaussée, il est sous l'eau. Au moins une fois dans l'année. D'accord? Donc ça n'est plus assurable. Après, sa responsabilité civile est toujours assurable. Mais les dégâts causés par des événements qui arrivent tout le temps ne sont pas assurables. Il faut raisonner différemment là-dessus. Et ça, c'est vraiment un point hyper important sur le monde de l'assurance. L'assurance, ce n'est pas mécaniquement tous nos dégâts sont réparés. D'accord? Il y a des limites à l'assurabilité, quoi. C'est vraiment le fondement même.